difficulté, mesdames et messieurs, Youri La Tortie, ancien sénateur de la République, lagué dossier Ariel Henry dans la rue. Encore une fois, son plaisir pour nous avec vous, pas oublier, soit à peine connecté sur le canal ça ou connecté sur TV La Caille. Nous comptons porter information ça ou pour vous, sous sa cap de et sous sa cap déroulé en dedans l'état haïtien, en dedans trésor public, mesdames et messieurs. Et bien, Ariel Henry, l'agent Ariel Henry dépensé non à Kaye pour 18 mai, c'est bagay qui a bau tête fait mal sous prend le temps pour réfléchir. Youri La Tortie, ancien sénateur qui toujours a combattu la corruption, selon ça le dit, toujours gagne des dossiers la mettre dehors, comme l'État qui a gaspillé, et donc sans condition. Et bien, je dis à la, sans filtre, Youri La Tortie l'a dit tout. Valeur comme Ariel dépensé dans la question voye bis, dans la question voye prend moun, dans la question. Mes amis, c'est parti l'argent. C'est l'argent qui t'a occupé la police là pendant plusieurs mois. Et bien, Ariel Henry gaspillé dans un jour, dans la fête à Kaye. Et bien, nous prenons le fort de cause. Restez connectés sous vidéo jusqu'à la fin, n'a pas tourné. Gouvernement, pas de volonté vraiment pour combattre la question de sécurité. En passant, nous dit, nous applaudit deux trois efforts que la police a fait sur question ça, mais c'est pas toute bagarre. Il faut la police agir de façon globale pour nous éradiquer question, mais nous constater bien deux trois efforts état-major à certaines unités a fait. Il n'a parlé de ça après, mais je dis à moi voulais parler avec population haïtienne pour nous garder question budget, parce que si on monde arrive au pouvoir ou bien ou en position en dans l'état, ça qui est important, tout ça, toute question de politique publique, c'est à travers le budget qu'on va le concrétiser. Et ça, nous gardons dans le budget ça, en nous prenant rubrique PNH, qui c'est Police nationale d'Haïti. Nous allons parler de deux forces. Budget la police à budget l'armée. Et nous allons comparer deux budgets. Budget qui était là avant, qui était censé reconstruire, avec budget ça que adopté. Est-ce que dans le budget ça, gouvernement li manifesté ça li était toujours à dire volonté pour combattre l'insécurité. Nous va regarder chiffre. Eh bien, dans l'année 2020-2021, budget justement qui était là, OK, qui était reconduit en octobre là, de octobre 2021 jusqu'à mai. Dans le fonctionnement de la police, là, il était 13 409 068 654. 13 409 068 654. C'était quoi qui a été bail pour le fonctionnement de la police là? Année ça, dans le budget ça, qui c'est 2021-2022, qui a fait adopter là, pas grand pile jour, les 15 366 273 045. Ça veut dire gagner en augmentation. Mais pas oublier ça, c'est dans le personnel, dans le fonctionnement. C'est pas vraiment budget investissement. C'est à cause de promotion cap rentrée qui fait que vous prévoyez quoi pour vous payer. C'est beaucoup de budget pour agir sous question de la police. Parti pour nous garder en de budget, c'est investissement. Est-ce que vous mettez quoi pour acheter plus équipement, plus armes, plus hélicoptères, plus blindés, plus gilets pare-balles, plus combat boots pour unité? Donc, on a regardé la question investissement. Question investissement pour la police là, dans le budget qui se passe là, c'est 1 475 970 373. Ça, c'est pour budget qui était là de octobre à mai. Et nouveau budget, c'est 1 650 000 000. 1 650 000 000. Qui différence? Qui gagne? Augmentation de 13% dans l'investissement. Mais augmentation, ça, combien de coûts que lié? C'est 194 627 000 gouttes. 194 627 000 gouttes. Ils ont augmenté le budget de la police là. Comme ça, soumettez
en dollars américains, il n'y a pas même 2 millions de dollars. Il n'y a pas même quoi pour cacher un hélicoptère. Dans le moment, ça a côté besoin de blindés, ou besoin d'armes, ou besoin de gilets pare-balles, ou besoin de drones, ou besoin de bon hélicoptère. Augmentation pour investissement pour les 4 prochains mois jusqu'à septembre, il y a moins que 2 millions de dollars. Donc, est-ce que nous, ouais, que le gouvernement, il y a une volonté d'éradiquer la question de sécurité? Non. Parce que pas qu'il y a une situation ça, là, pour que le budget d'investissement de la police, côté que dans l'équipement individuel, gilet pare-balles, combat boots, casse, monsieur Opagé, zam individuel, fusil d'assaut, yon pa gen. Zam collectif, yon, blende yon, hélicoptère yon. Question de drone yon. Pour que c'est moins que 2 millions de dollars mettez pour la police, qui ça la police pour le faire avec là? Comment on va le combattre l'insécurité pour les 4 prochains mois si que notre budget pour exprimer volonté à ou pa gen? Ça, c'est le premier bagaille. Deuxièmement, on nous garde la question de la MIA. Il te dit, s'il te gagne, deux blindés, s'il te gagne un hélicoptère, un char d'assaut, il a résolu. Il y aura même mettre quoi pour acheter un char d'assaut. Parce que ça n'a pas 500 000 dollars. Ça n'a pas 500 000 dollars. On demande que l'armée te fait. Ça le demande à te coûter 2-3 millions, même si tu mets moitié, il n'y aura pas mettre même 500 000 dollars américains. Avec tout comme l'argent lié. Donc ça veut dire que même minimum, ça a demandé à. Alors nous changeons le modèle à la veille de novembre 2021. Le Sahara, où tu as gagné, tu es occupé en partie dans la zone métropolitaine. Je dis à vous, presque occupé plus de la moitié. Et dans le budget, l'AMEA, vous mettez moins que 500 000 dollars. Et comme ça, vous mettez pas d'investissement, non? C'est dans l'administration, vous mettez. Pas d'augmentation, non, dans l'investissement, l'AMEA. Donc, deux forces qu'il a, yo, nous n'avons pas de force étrangère qui pour agir sous question insécurité. D'ailleurs, nous voyons que défaut la police, problème la police gagne, faiblesse li, c'est que toute opération que le fait, qui te ka gagne une certaine réussite, nous voyons que faiblesse la police, c'est parce que par une consolidation, la police est intervenue peigné, il est intervenu de l'autre côté, quand le final est gagné, on certaines de répression que gang yo fait sur moun ki nan zone yo parce que la police pa ka consolider, la police pa ka quitter moun pour le consolider et pour consolider ou besoin équipement. Et même si la police c'est opérationnel, c'était l'armée qui t'a fait consolidation, l'armée besoin équipement. Pas d'équipement pour l'armée, pas d'équipement pour la police.